Tu es dans une situation où tu n'arrives pas à ouvrir une note vocale, mais par contre tu aimerais avoir le même contenu sous forme de message textuel. Bien, dans ce tutoriel, je te montre comment faire. C'est parti. On va donc utiliser l'application Transcriber for WhatsApp dont le lien de téléchargement est dans la description. Et une fois qu'elle sera téléchargée, on va se diriger vers Paramètres. Voilà, Settings. Puis on va choisir la langue. Dans notre cas, c'est le français. Donc le français est bien sélectionné. Et bien sûr, vous avez d'autres paramètres que vous pourrez configurer en fonction de vos envies. Dans notre cas, tout est OK, donc on va se diriger directement vers WhatsApp. Une fois sur WhatsApp, vous allez sélectionner une VN. Voici la mienne. N'oublie pas de partager la vidéo si elle t'a plu. OK. Et une fois que la VN est choisie, vous allez maintenir votre doigt appuyé dessus. Allez sur les trois icônes en haut à droite, puis partager et sélectionnez transcrire. Voilà. Une fois que c'est fait, l'application va se mettre à charger et va lancer le traitement. Et bien sûr, vous aurez besoin d'une connexion pour l'utiliser. Donc, le texte a bien été transcrit. Voilà. N'oublie pas de partager la vidéo si elle t'a plu. C'est bien la note vocale que nous avons écoutée. Donc c'est clairement tout, le principe de l'application est là. Tu as une note vocale, tu l'as transcrit et le texte était affiché. Bien sûr, la précision ne sera pas toujours de 100% en fonction du langage que vous utilisez et des performances de l'application qui seront certainement mises à jour dans les prochaines versions. Donc c'était tout pour ce mini tutoriel. Sur ce, c'était Mighty Fake et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel si tu es abonné à la chaîne. Bye.